passe à ça. Ah, parce que je, Harel, je le respecte, puis Fries aussi. Personnes respectueuses qui vont s'affronter jusqu'à la mort dans un jeu. Ouais. Et ça, je respecte. Ouais. Ah, là, c'est chic versus hardcore. Ah, donc. Et Harel. Oh, le con. Il peut gagner ça, mais je pense que Fries, il, juste... il a fait trop d'expérience. Je... En tant que joueur de Smash. Il y a un gros cerveau, Flash, chef, chef, chef. Arrête, il se fait un coup. Il se rate pas si vite, il fait bien, il va vite, il fait des bonnes décisions. Il se fait pas, genre, il prise comme le. Ouais, il se fait pas de cheese dans les match-up, genre. Pour quelqu'un qui commence le jeu, il est pas content, il. Il se fait en cheese. Ah. Je suis plus content, c'est vrai. Parce que tu sais, Shing, pas gros, c'est match-up, puis c'est facile à. Quand des fois. Tu fetch card facilement, genre. Et ouais. Tu fais genre back, c'est back trop pis t'es... tu mords. Ouais. Genre qu'à la case, il... arrive sur. On va voir ce que tu viens de dire. Oh! Oh oui. Gros cerveau, Flash. Ça se passe en... Quand tu le tournes ma voix, là, j'ai l'air... très hype. J'ai l'air fucking hype. Je suis tellement hype que ça paraît pas. Et pour vrai, le match est vraiment agréable. Je sais pas, j'ai commencé avec Rudo ou avec Akitamiten, je sais pas. Comment on dit avec Rudo ou Captain Mitten, je sais pas. C'est pas vrai. T'es en train de dire que je suis peut-être pas moi-même là. Je comprends pas. Non mais j'étais tellement hype parce que je sais pas si c'était Rudo. Ah oh, ok, oh, parce que Rudo. Ah, il c'est Rudo qui crie tout le temps dans le micro. Là. Ouais, c'est vrai. J'ai dit que t'es presque là. Là ça je comprends. Si, j'essaie de faire ça, mais quand c'est honnête, quand c'est pas honnête, je suis pas capable. Il faut que ce soit. Rudo c'est toujours un night, juste que son, ouais, ouais, son niveau il est, plus, il est pas trop haut. Ouais ouais. Mais quand même haut, tirer ça là, ça a été sick. Ouais, non, non, d'accord. Arel est quand même pas gagné. Oh dude. Oh, wow, 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 il a volé ça. C'est une voleur. Ça a volé, c'est pas voulu. C'était vraiment tes jobs. Ben oui. Le ledge up là. Oh, tournament winner numéro 2. Non, non, c'était pas tournament winner, ça c'était un Mango Dash. Ah, c'est un Mango Dash, ok. Mango Dash, c'est quand même vraiment cool comme nom. Ça va, on préfère un nom de. Bon, un nom de poisson fruité, là, ouais. Mango Dash. Ah, t'as vraiment fait non, ça. T'as vraiment fait okay. Oh shit, shit pressure. Mais cette petite chier là, elle partait vite en. On va y aller. Il y a qui dit. La gueule, je vois. Ah man, contre Falcon il en fait beaucoup ça. David DB a quand même des cris. Ah ouais. Le recap. Ah bah. Donc là il a fait des bons combos et tout. Ouh, chanson. La plateforme c'est dangereux. Plus dangereux. Il est passé à travers. Oh, voilà le top. Quel angle! Bingo. Il y a un gros sabot aussi. Comme un combat de gros sabot. C'est comme Cranium. Comme si on jouait à Cranium, tabarnak. C'est pas fou le Québec, par exemple. Ouais, c'est correct quand même. Il arrive le laser, ça. Oh my god. Il fait beaucoup de laser, hein. C'est ça le match-up contre Sheik, genre, pas faire de laser? Non, faut d'en face. Okay. Sheik, son jump, il est pas terrible. Laser, t'as pas tant de mobilité. Si t'as quand même de la zone, mais. Oh, finalement, il fait des lasers. Ouais, juste qu'il est vraiment dans le coin, c'est pas vraiment essayer de faire les lasers. Oh, dude. Wow, man. Pas attention, ouais, c'est vraiment le moment crucial de la game, là. Ah, barnac. Pas la pression. Comme dans un. Arrête c'est la pression. Ah, il y a une tendance. Oh. Ça se passe. Eh, hey, voyons donc. Oula, il flabbe. Aïe, oh shit. Ah non, c'est pas fini, man. C'est pas fini. Ah, c'est fini. À moins que. C'est quand même fucking hype. Nice. T'es pas avec le training partner à Ril. Bon, ça explique, là. On aime ça.
avoir un petit peu plus de projectiles mais la sur cette la map. On t'arrête à la. Voilà. On est comme surtout qu'il faut faire le coup. Chien, c'est ça. J'ai pas très souvent aller à stage. Mais on je trouve que beaucoup de Falco essaient de jouer comme Westball, genre aller fucking. Je trouve que les Falco c'est pas. Quand tu vois Fugu jouer Falco là, il essaie pas d'aller vite sur toi là, il te contrôle là. Le personnage qui peut te contrôler en tabarnak Falco. Ça dépend quoi. Ouais, c'est tout. Mais tu sais, une fois qu'il y a l'opening là, il te lâche pas l'affaire. C'est pression, les yeux, pis cover tes options. Il va pas nécessairement aller sur la shield direct, là. Il va spacer pis attendre l'opportunité. Beaucoup du monde, il essaie juste d'aller direct sur le stick, shield pressure. Je fais le coach, juste genre démolir ton shield. Ouais. Pas lourd. Pas obligé d'être sûr. T'as pas une façon de faire la pressure, tu peux spacer avec des tilts. Tous les temps, pas ça qu'on peut donner le tank avec. Parfait. C'est quand même Zelda là. Ouais, il a pas à changer. Oh, je sais que Zelda. J'ai pas les mots pour expliquer ce qui se passe en ce moment, je pense. Moi, ils sont c'est vraiment chic, pis j'ai gagné le Zelda Falco, là. Ouais, c'est clair. Ah, là, ils sont dans le petit arbre. T'es dans la place, là. Ouais, mais t'sais. Arel, Oversteo, Il y a une semaine, Arel a battu mon puff, et je pense que ça l'a aidé à s'améliorer. Mon puff. Mon puff, Steo. Ton puff. Ouais, j'ai pick puff sur une map. Ah, bah. Là-dessus. Je pense que ça l'a aidé. Oh non! Par casse la douille. Je m'en souviens du Demolition Derby dans la salle, c'est possible. Ah, il est trop bon ça. Oh non. Oh! Double hit! Wow! Y'a-tu un tilt pis ça l'a fessé deux fois? C'est donc my hype! Yes! Qu'est-ce aussi hype que Stumpy? C'est vraiment hype! Prophétique backer. T'as genre double hit du uptilt, après ça t'as Stomp Knee, après ça t'as Contro Knee. C'est malin. Oh ouais. Je crie à chaque fois. Ouais. Et moi je pense qu'elle a une chance. Un petit peu mince. Oh, il est. Oups. Oh non. Voyons. Je sais pas si Flash, j'ai pas. J'avais comme une idée qui flies et du tech chase avec l'écran qui bouge. Je sais pas si c'est genre. Tu sais, il fait du tech chase avec du écran qui bouge. Non, t'as du. Ah, j'ai jamais entendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu tech chase quelqu'un, là, quand il tech, l'écran, genre la caméra, bouge à gauche ou à droite, c'est tech à gauche ou à droite. Sa caméra bouge pas, là tu sais que soit no tech ou take in place. Ouais, mais elle bouge au moment que l'autre bouge. Non, elle bouge avant? Non, mais c'est actuellement genre une bonne méthode pour tech chase. T'as jamais parlé de ça? Avant, l'écran bouge avant que ça bouge. Ça bouge genre dès que le gars il input le truc. Ah, oh, mais c'est genre aussi bon. C'est vrai? Ouais. What the c'est écrit en haut. C'est pas vrai, man? Ouais? J'ai jamais parlé de ça.